déjà vu des crèmes qui coûtaient 300$ puis que le packaging devait en coûter une bonne partie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo à thème de concept de la vérité sûre. J'en ai déjà fait sur ma chaîne. Je pense que j'ai deux vidéos que j'ai déjà fait un peu sur des sujets différents d'aujourd'hui qu'on va voir ensemble. Me revoilà cette semaine finalement. Je disais la semaine passée que j'avais une grosse semaine, mais j'ai eu des occasions finalement de me libérer. Puis je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Vous êtes au moins une trentaine à chaque semaine qui m'écoute, donc je le fais pour vous. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est vraiment d'essayer de défaire des mythes. J'ai comme quatre choses là que j'ai envie de vous parler aujourd'hui pour que vous compreniez bien pourquoi non, c'est pas vrai ou quoi que ce soit. Juste défaire ça, défaire des fois des espèces d'anciennes croyances où les compagnies essayent de nous faire croire puis qu'on reste comme un peu avec ça par la suite. Si vous avez envie de savoir c'est quoi ces mythes-là puis la vérité sur ça et tout ça pour défaire tout ça, c'est parti! La première chose que j'avais envie de vous parler, c'est les produits pour bébé. Et là, c'est que souvent, les gens, ils pensent que des produits pour bébé, c'est toujours mieux que des produits pour adultes. Si vous avez une peau sensible, utilisez des produits pour bébé. L'affaire, c'est que des produits pour bébé, par exemple, en pharmacie, sont tout aussi... Pas tous, on généralise pas ici, mais je prends pour exemple la compagnie Johnson & Johnson. Tiens, donc c'est tout aussi chimique qu'un produit, mettons, style Dove. Il n'y a pas vraiment de différence entre ça pis ça, c'est juste une impression que ah, c'est fait pour les bébés, fait que c'est sûr que c'est plus doux ou c'est plus convenable. Pourquoi les compagnies choisiraient de prendre ça plus soft pour un bébé versus un adulte? Vous, en tant qu'adulte, vous ne méritez pas comme des produits qui sont doux pour votre peau, qui sont bien pour l'équilibre de votre peau. C'est juste aussi au point de vue plus cosmétique naturelle aussi que je m'adresse aujourd'hui, dans le sens que quand vous venez acheter des produits de cosmétiques naturels, il n'y a pas de différence entre des produits pour adultes et des produits pour bébés. Ça n'a rien à voir. Je donne le meilleur exemple dans le sens qu'il y a des crèmes solaires qui existent, qui ont adultes, enfants, bébés. C'est du gros marketing parce que les gens sont habitués de voir ça. Les gens, ils font pas confiance à quelque chose pour adultes, ils veulent quelque chose pour enfants. C'est tout, comme je prends pour exemple la compagnie ThinkSport, c'est tous les mêmes ingrédients dans chaque. Rendu là, il n'y en a plus de différence. Fait que faites confiance. La seule chose, effectivement, qu'il faut faire attention, c'est des produits qui ont beaucoup d'huile essentielle. On ne pourrait pas donner ça, par exemple, à un bébé. Effectivement. Donc là, on pourrait se dire, OK, si j'ai une sensibilité aux huiles essentielles, oui, je pourrais me tourner vers des produits pour bébé. Mais encore là, j'ai déjà vu des produits pour bébé naturels avec un petit peu d'huile essentielle de lavande parce que les gens veulent que ça sente bon. Ou un petit peu d'huile essentielle d'orange parce que c'est le fun, ça sent bon. Toujours vérifier ça. Il y a autant de produits pour adultes qui sont sans parfum, sans odeur, sans huile essentielle, autant que des produits pour bébé. Et souvent, des produits pour bébé, c'est beaucoup plus cher que des produits pour adultes. C'est des plus petits formats, je comprends même pas que ce soit permis, juste parce qu'on s'attend, le client s'attend à ce que ce soit plus cher. Donc, les gens payent plus cher parce que c'est fait pour les bébés. Mais ça coûte pas plus cher à la compagnie à faire ce produit-là. La deuxième chose que j'ai envie de vous parler, c'est sur le collagène végétal. Parce que le collagène, on le sait, hein, c'est bien populaire, c'est bien in en ce moment. Ce sera toujours, d'après moi, parce que ça reste que tous les genres d'actifs cosmétiques qu'on cherche, c'est tout le temps, ben ça stimule le collagène ou ça vient comme travailler ça tout le temps, mais tout ce que ça revient tout le temps, c'est collagène au bout du compte dans tout ce que nous avons, tout ce que ça fait. C'est juste que ça existe en collagène végétal, mais ce qu'il faut savoir, c'est que du collagène végétal, ça existe pas. Du collagène, ça existe dans des animaux, ça existe dans nous, dans notre corps. Les plantes n'ont pas de collagène. Juste ça qu'il faut faire attention quand vous voyez des compagnies véganes, des compagnies plus naturelles qui marquent collagène végétal, c'est souvent des extraits qui sont faits d'une autre façon puis qui imitent un peu la façon que le collagène fait. Mais au bout du compte, ce n'est pas du collagène. Si vous voulez avoir du collagène, malheureusement, c'est animal, c'est soit de la vache, c'est soit vache-bœuf, c'est soit du poisson, tout ça. Je ne suis pas une experte par rapport à ça, mais ça reste que
le collagène végétal à mettre sur votre peau, ça donne pas grand chose puis c'est pas assimilé anyway, fait que c'était juste pour qu'on soit clair sur ce sujet-là. L'autre chose qu'il faut vraiment arrêter de penser là, parce que c'est vous vous faites avoir tout simplement. Puis ça, je pense que je n'ai parlé un peu. Si vous aimez ce genre de vidéo là, dans ma vidéo des arnaques cosmétiques, ici ce que j'ai envie de que je sais pas comment je l'avais abordé dans cette vidéo là, mais faut arrêter de croire que quand c'est cher, c'est mieux. Il y a des produits qui coûtent 25$ qui sont aussi bons que des produits qui coûtent 60$. C'est pas parce qu'un produit coûte 100$ qu'il est extraordinaire. Ça veut absolument, absolument rien dire. J'ai déjà vu des crèmes qui coûtaient 300$ puis que le packaging devait en coûter une bonne partie. C'est juste ça qu'il faut se rappeler, de pas vous faire avoir par le cliché de « Ah, parce que c'est cher, c'est mieux. Ah, ça coûte 15$, donc ça doit pas être bon. » Vraiment pas. C'est juste au niveau des coûts, c'est où est-ce que la compagnie se situe aussi, est-ce qu'elle se dit « moi je vaux plus cher, moi je vaux moins cher ». C'est vraiment ça un peu sur les compagnies de base. Oui, ça se peut très bien, comme je prends pour exemple la compagnie Dr. Oshka par exemple, que c'est un peu plus cher, mais vous regardez la qualité, elle est là, on le ressent. Par contre, on pourrait avoir des compagnies qui vendent des produits à 100$, que les ingrédients ça coûte absolument rien à faire, puis vous payez pour ça, puis ils vous font croire que vous avez un produit qui vaut 100$, qui est extraordinaire pour votre peau. Quand vous avez un produit juste à côté, que c'est une crème à 30$, puis que c'est aussi bon, même mieux que la crème à 100$. C'est juste de vraiment bien différencier ça et d'arrêter de croire que ça vous prend des produits chers pour que ça fonctionne. Et là, je pense que c'est la chose extrême dans ma vidéo, que je pense que c'est super important que vous sachiez, puis de se rappeler aussi, c'est que des produits cosmétiques, là, ça change rien. Dans le sens que ça vous fait du bien sur le coup, ça fait un travail de long terme, oui. Mais ça changera pas votre visage, ça changera pas votre situation. Je prends pour exemple, pour qu'on se comprenne bien, le meilleur exemple, c'est de l'entraînement physique. Vous faites des push-ups, vous faites du cardio, puis vous en faites plus pendant un an. Ben votre situation dépérit, elle reste plus comme ça. Si vous avez fait beaucoup d'entraînement, puis là vous êtes donné, vous êtes devenu musclé, super en forme, puis que vous arrêtez tout du jour au lendemain, ben ça s'en va. Mais c'est le même principe pour les cosmétiques. Faut pas penser que quand vous achetez une crème, par exemple avec de l'acide hyaluronique, vous l'utilisez, une fois que c'est fini, vous arrêtez ou vous essayez d'autres choses, pensez pas que l'effet va rester. C'est instantané ce que ça fait des crèmes, c'est pas à long terme. Si vous l'arrêtez, ben c'est terminé. C'est un peu comme l'entraînement physique. Ça, je pense qu'il faut se rendre compte de ça, que c'est un travail de comme c'est une routine à avoir les soins cosmétiques, c'est de s'en tenir à ça, toujours bien faire ses soins du matin, ses soins de soir, puis si on fait ça, ça va bien aller, mais si on arrête, si on change de produit, si on prend des produits pas adaptés à notre peau, ben là c'est là que ça fait plus le bon travail. C'est comme si on ferait un entraînement physique, puis vous feriez un entraînement physique pour qui est pas fait pour votre corps, votre situation. Tu sais, c'est un peu comme ça que je le vois, mais c'est juste qu'il faut se rappeler que il y a aucune crème qui va changer ce que vous êtes en fait. Vous êtes ce que votre peau reflète, ce que vous êtes. Puis ça c'est là pour rester. Fait à moins qu'on est dans des chirurgies ou des trucs esthétiques flamboyants, là je parle pas de ça, je parle juste d'une crème bien basique. Cette crème-là, malgré qu'elle diminue les rides ou quoi que ce soit, ça reste que votre ride, elle est là pour rester. Donc voilà pour ma vidéo aujourd'hui, j'avais 4 bons sujets, je pense que j'avais hâte de vous parler de ça pour que vous, que vous avez écouté cette vidéo-là, vous puissiez vous passer par-dessus ça, vous rendre compte que bon, des produits pour bébé, c'est pas aussi extraordinaire que ça, puis la crème qui marque du collagène dedans, pas aussi extraordinaire que ça, puis etc, etc. Donc, c'est juste des petites vidéos, moi j'aime ça vous dire ça parce que en tant que moi aussi consommatrice de cosmétiques, si j'étais pas là-dedans, je serais pas au courant de ça, puis je me ferais avoir. Fait que j'ai pas envie que vous fassiez avoir, moi j'ai envie de vous dire ce que vous devez savoir, que vous soyez au courant, puis que vous soyez conscient de
qu'est-ce qu'il y a tout autour de tout ça. Mais c'est ça les 4 sujets que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'oubliez pas de liker. Puis on se revoit la semaine prochaine et ne manquez pas cette vidéo-là parce que je crois bien qu'il va y avoir le gros concours de l'année sur ma chaîne. Donc c'est ça, je dis rien. Donc on se voit dans une prochaine vidéo. Puis moi je vous souhaite une super belle journée. Bye bye!